Bienvenue à l'épisode 9 de Royaume de France avec les Français, donc dans Empire Total War. Camille d'Austin fait le siège de Dublin. La ville est protégée uniquement par des citoyens armés de mousquets et un timonier à cheval. Et si la ville tombe, si l'Irlande est prise, eh bien, nous en finissons avec la grandeur de l'Empire britannique, puisque nous détenons déjà l'Écosse, Édimbourg, et nous avons pris Londres. Bien, eh bien donc nous allons voir si en 1705, nous allons assister à la fin de l'Empire britannique. Il se cache sous les jupons des femmes. Allons-y. Eh ben, nous faisons la bataille et on se retrouve sur le champ de bataille. Et bien voilà. Donc, les batteries de canon se sont mises ici, puisque je pense qu'on va se battre plutôt vers ici. On va essayer. Plutôt que de se battre dans le village, ben, on verra bien. On va donc attirer l'ennemi vers la plaine. Alors, voyons voir. Donc, ils ont leur fameux timonier. Et là, ce sont les citoyens armés de mousquets qui, eux, par contre, préfèrent venir se protéger dans le village. Laissons-les arriver, de toute façon. Camille d'Austin s'approche de ses artilleries. On va les avancer. Hein. Hop. On va avancer nos canons. On va les mettre plus par là. C'est vrai que dans une ville, c'est pas évident. J'aurais bien aimé me battre là, moi. Bon, on va les mettre comme ça.
y a seulement ce régiment-là, donc on va avancer. Tout ça par ici, chez vous. Bien, bien, bien. Bon, ben, c'est une bataille qui n'est pas facile, hein, puisque il y a ce village au milieu, là. On va mettre les canons sur l'M. Il y a toujours un truc pour empêcher de mettre ces canons. Alors, on va en mettre un ici, voilà. Et l'autre ici. Tostin, il va venir là. Et les régiments avancent. Ah, ça y est, enfin. Allez, le carabinier, hop. Ce régiment, lui, il va se mettre sur le côté. Celui-là aussi.
Alors ici et là. Allez les canons, avancez. Bon, évidemment, c'est pas spectaculaire comme bataille, mais bon, il faut d'abord bien ranger nos troupes. Hein. Ils se sont mis sur une colline. Alors on les attaquera nous sur de ce côté-là. Si on peut. Alors ma cavalerie, elle va se mettre sur l'aile hein, le plus loin possible par là. Le régiment d'Auxerrois va avancer vers cette unité de citoyens et le régiment du Béarn, de Béarn avance aussi. Voilà, alors le canon. J'espère qu'il pourra tirer quand même. Sur les ailes. Les cavaliers vont se mettre. Ah, ils peuvent pas passer par là. Et non. Il suffisait d'aller au contact hein, pour gagner cette bataille. Et voilà, nous finissons la bataille sur cette victoire et on se retrouve sur le tableau des statistiques. Hein. Et bien voilà, Camille d'Austin a perdu 106 hommes et a détruit les Anglais en Irlande à Dublin. Voici donc les résultats avec un régiment d'infanterie de ligne qui a gagné un chevron lors de cette bataille. D'ailleurs, il est le seul à avoir été à s'être illustré dans cette bataille. Il avait 151 hommes au départ, il a perdu 24 hommes et il a fait 200. Voilà, c'est le régiment qui est ici. Et nous allons savoir tout de suite comment il s'appelle. Préparez-vous pour la guerre ! Alors voilà, en prenant Dublin, on termine donc avec
l'Empire britannique qui n'existe plus. Et voilà, une nouvelle faction, une naissance d'une nouvelle nation, les États-Unis. On ira voir ça. Donc nous venons de capturer l'Irlande. Et nous avons détruit la Grande-Bretagne. Voilà, le rêve des rois de France a été accompli en cette année de, en cet été de 1705. L'Angleterre, l'Empire britannique n'existe plus. Les Anglais, alors c'est devenu les colonies maritimes britanniques en Amérique sont devenus des pirates, hein, certainement. Je ne sais plus où c'est qu'il y en avait. Ils étaient là, voilà, Jamaïque et Bahamas sont devenus pirates. Et les territoires les 13 colonies sont devenus les États-Unis d'Amérique. Pour l'instant, nous ne sommes pas en guerre contre eux. Si bien que maintenant, nous sommes toujours en guerre contre les Indiens. D'une part, les Inuits qui nous menacent. Et d'autre part, les Iroquois. Voilà. Alors, comme je l'avais dit en début de partie, hein, cette partie-là, je ne vais pas aller jusqu'en 1750, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je ne vais pas suivre exactement les objectifs pour les conditions de victoire qui sont là, hein, je ne vais pas aller jusqu'à 1750. Hein. Je vais faire ce que j'avais dit, c'est-à-dire détruire les Britanniques. Voilà, c'est fait, la première partie est faite. Ensuite, accomplir cette mission. Et enfin, j'avais dit aussi que je formerais une colonie en Inde, enfin plus qu'une colonie, un petit royaume en Inde, quoi, avoir au moins 3 ou 4 colonies, quoi. Peut-être même on pourrait dire avoir toute cette partie là, et c'est long, voilà. On pourrait essayer de faire ça, hein, partant de Calcutta, Cuttack, Hyderabad, Arcat, et puis c'est long, voilà. On pourrait se faire un espèce de petit royaume comme ça, enfin pas un royaume, un protectorat, des colonies, voilà. Et en Inde, donc ça serait la troisième, c'est une des parties pour gagner. Et puis donc l'autre, ce serait de faire la mission de rassembler, de faire venir à nous la Louisiane, en prenant le territoire du Michigan, le territoire algonquin et le territoire Cherokee. Et comme ça, on aura la Louisiane. Bon, à moins que les Américains, bien sûr, nous en empêchent, mais on verra ça. Donc la première partie de mes objectifs donc vient de s'accomplir. On a pris Dublin, on a l'Écosse et on a l'Angleterre. Bien sûr, il va y avoir des révoltes, on va devoir déjà un petit peu s'occuper de tout ça. Surtout qu'on sait que l'Angleterre, ça se révolte longtemps, hein, c'est très long à la calmer. Donc on s'attend aussi peut-être à des attaques d'autres pays, on verra. Hein. Donc on va pas se laisser aller. On va aussi peut-être faire quand même finir la guerre, conquérir les territoires que je devais conquérir par ici. Il me semble que ce sont des territoires que je dois avoir, hein. Au moins avoir les 12 territoires ici aussi. Voilà, on va faire ça. Ces 12 territoires. Hein. Donc ça nous fera faire la guerre aussi, peut-être aux Américains, certainement d'ailleurs. Avoir ces 12 territoires, faire la mission pour avoir la Louisiane, et s'établir aussi en Inde. Voilà, on fera ça dans cette partie, dans ce jeu. Alors voilà, donc maintenant on vient de prendre Dublin, on va réparer la ville. On regarde les infrastructures. Ok, bon bah ça c'est bien. Évidemment, je pense qu'il va y avoir une révolte bientôt, mais on a une armée, on va
On va la réparer autant que possible, parce que dans le jeu, il faut voilà 3000, hein, il faut 3000 pièces. On va donc faire déjà les 4 régiments d'infanterie pour 1800, plus on va faire quand même les coureurs de bois, et puis les deux canons, les deux artilleries, voilà. Voilà, ça sera déjà ça. Donc j'ai une armée normalement, si je ne m'abuse, j'ai une armée ici, voilà, hein, bonne armée avec Claude de Villars, et l'autre armée à Dublin avec Camille d'Austin. Il n'y a plus de flotte anglaise, on pourra construire des beaux bateaux ici. Bon, et ben voilà, hein, et ben je pense que on peut arrêter ici ce 9e épisode qui donc se termine sur la fin de l'Empire britannique et la première réalisation de des 3 objectifs que je m'étais donné. Voilà. Et bien, on se retrouvera à l'épisode suivant. À la prochaine fois.